Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des jeux du PlayStation Plus qui sont offerts pour le mois de mai 2021 concernant la PlayStation 4 et la PlayStation 5. Et on commence directement par le jeu qui est offert sur PlayStation 5. Attention, c'est vrai que des fois je le dis pas forcément, mais c'est uniquement gratuit sur PlayStation 5 alors que le jeu est également disponible sur PlayStation 4. Et oui, c'est Wreckfest. Si vous aimez les jeux un petit peu simulation où faut déglinguer tout ce qui bouge, dès que je suis Sean Darby-like, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tamponner, etc., etc. Franchement, le jeu au premier abord, on se dit « ouais, bon ». Mais la physique du jeu est tellement bien faite, et en plus on peut jouer online sans trop de lag, voire même pas du tout si les gens ont une bonne connexion, je vous invite à le tester parce qu'il vaut le coup. Après, il faut avoir la PlayStation 5 bien sûr. Le premier jeu sur PlayStation 4 n'est tout autre que Battlefield V. Bien entendu, Battlefield 5 pour les intimes. Battlefield 6 a été annoncé. Logiquement, on devrait voir le bout de son nez à l'E3 2021. Mais là, on met en place le 5 qui est pas mal du tout. Je vous invite vraiment à tester. Si vous aimez tout ce qui est type FPS par rapport à la guerre, récit d'une histoire vraiment pas mal du tout, bah franchement, essayez-le et vous m'en direz des nouvelles. Et on termine avec le dernier jeu sur PlayStation 4. Franchement, vous avez jamais rêvé d'être sur un bateau, seul, échoué, être Leonardo DiCaprio sur sa petite planche qui n'a pas pu accéder? Peut-être? Eh bien, ce jeu, Strange Deep, vous permet de faire une sorte de simulation de naufrage. Vous allez devoir survivre. Je ne sais plus si ça se joue en solo uniquement ou en multijoueur. C'est sorti en 2015. Personnellement, je n'ai jamais testé, mais quand tu vois les petites photos du jeu ou les vidéos, ça donne envie si on aime ce type de jeu. Et voilà, c'est déjà la fin des 3 jeux offerts sur le PlayStation Plus pour le mois de mai 2021. N'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Personnellement, à part le troisième, j'avais les 2 premiers jeux. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout. Allez, salut!